Je me sens un peu chez moi en Bretagne, on dirait. C'est pas de la foutaise, c'est vrai. Même si j'ai appris récemment, pensant que ma mère, que les ancêtres maternels étaient de Saint-Malo, j'ai appris qu'ils étaient normands, finalement. Ça m'a déboussolé un peu, j'ai pleuré. Sachant que mes ancêtres paternels sont charentais, je me dis, bon, c'est peut-être quelque part entre les deux, quelque chose qui nous relie à la Bretagne. On a tous le même degré d'alcoolémie dans le sang. Ceci dit, je m'appelle Louis-Jean Cormier et je suis de Montréal, Québec. Si du jour au lendemain tu choisis de changer de vie, en un bond, et qu'à mon tour je me retrouve à défaire ma valise, pour de bon, on repart à zéro. On repart à zéro. Comme pour défaire toute la laideur du monde, on va porter nos cœurs à bout de bras et suivre leur voie. La, 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 la. Entre l'écho des minarets et les églises à vendre, la seule question qui ressort: crois-tu qu'on s'aime encore fort? C'est la même chose. Non, ça doit être une histoire de polarité. Moi, ça va. On peut laisser le plateau, je pense. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis un chanteur de folk orchestral, j'aimerais dire, aujourd'hui. Mais ça change à tous les jours. Du Québec, je suis Louis-Jean Cormier. Je viens de Montréal. Et puis, voilà. J'ai un parcours de musique qui remonte à assez loin. J'étais le chanteur d'un groupe de rock québécois qui s'appelle Carquois. Et puis, pendant 15 ans, on a fait ce parcours-là, parsemé d'embûches, mais en même temps avec de belles réussites. Et on est devenu un groupe très connu chez nous. Je viens d'une famille de musiciens. Je viens d'une famille où la musique était vraiment très présente, autant dans la famille rapprochée que dans la, disons, la grande famille, la parenté. Et puis, ça nous coule un peu dans les veines, je dirais. Mon frère est violoniste à l'Orchestre symphonique de Québec. Mon père est chef de chœur. Mon cousin a créé ce qui est devenu une institution de la chanson au Québec, qui s'appelle le Festival en chanson de Petite-Vallée. Donc, c'est autant la musique classique que le rock, que le jazz ou que la chanson a été dans le foyer familial de mon jeune âge. Est-ce qu'on a 3 minutes pour jouer du rock? Ou pas? On se dit que...
sortir de la zone grise. Je fais juste couler les crises dans le ciment. Mais je ne peux plus faire semblant. Je préfère un coup de poing dans les dents que des mensonges cachés dans le vent. Ça fait combien de temps que je perds l'équilibre quand le téléphone me vibre dans le tympan et tous les morts vivants qui me suivent dans chaque ville, qui me critiquent en fil sur l'écran. Mais je ne peux plus faire semblant. De parler le français, c'est premièrement pour nous, c'est ma langue maternelle, c'est sûr que c'est la langue dans laquelle je rêve la nuit, c'est la langue que avec laquelle je suis à l'aise à faire de la poésie. La beauté d'être au Québec, c'est peut-être justement le mariage entre les deux qui fait une chanson qui est différente de celle en France. Et ce qui fait que j'aime venir en France, c'est le regard des gens quand je leur chante mes chansons, qui changent. Il y a un truc qui fait que les Français deviennent ah! Ils sont surpris. Premièrement, ils chantent en français. Parce que plus ça va en France, plus on voit des projets anglophones. Mais surtout, waouh, je retrouve quelque chose. C'est différent. Je me demande pourquoi. Est-ce que l'accent québécois rock plus que l'accent français? Est-ce que la notion de rock dans le monde anglo-saxon est plus poussée qu'en France où c'est un bagage des racines de chansons françaises? Je sais pas. C'est un gros travail d'analyse. Quelle heure il est?
sûr, au milieu mon frère. Ah ah ah, j'ai beau prévoir l'orage ultraviolet. Ah ah, la pluie de Grêlons, appelé l'ouragan par son prénom. Chaque fois qu'on se croit. Quel temps il fait. Perdu un cheveu en chemin. J'avais un eye contact difficile à cause de l'autre esti là avec sa. Ouais, le meilleur. Il s'appelle le meilleur, là. Le meilleur. Mathurin. Voilà, c'est réveillé, on est réveillé. C'est qu'ils sont cool, les gars de caméra, quand ils nous bloquent pas la vue. Salut, c'est moi le méchant. Je pars toujours de la musique. Musique-mélodie. Musique et mélodie, riff de guitare, petite ritournelle chantée dans le camion, dans la douche, en faisant la vaisselle. Il y a quelque chose qui se passe, puis c'est des flashs, puis là, ça arrive. Ah, wow! Ça serait cool, ça. Puis souvent, tu es dans un état de fatigue extrême où je prends une guitare, puis je m'écrase dans le sofa, dans le canapé, puis là on dirait que c'est l'inconscient puis le subconscient qui travaille, puis je sors des trucs. Si je sors des trucs à la guitare, je fais « Wow, c'est cool ça! » Puis là, je l'enregistre. J'accumule ça dans mon téléphone, puis à un moment donné, je m'enligne tranquillement vers quelque chose de sérieux, production de disques, puis là, je me book une ou deux semaines d'écriture dans un chalet ou dans un endroit un peu plus tranquille. J'ai fait ça pour les grandes artères. C'est la première fois que je faisais ça de ma vie. Sinon, d'habitude, j'écris chez moi, j'écris
un peu partout, j'essaie, mais il faut vraiment que je prenne du temps pour le faire. Tandis que la musique, c'est comme un fil continu de musique qui me traverse l'esprit. Puis, voilà. J'ai hâte de me rasseoir et d'écrire des mots sur des nouvelles musiques. Ça, c'est quelque chose c'est quelque chose que je caresse en silence. Et qui cache le malheur? Je veux qu'on fasse le tour de la planète à vélo. Je veux encore te prendre sur mes épaules dans les choux. Choisir le thème d'une chanson, c'est drôle parce que c'est ce qu'il y a de plus dur dans l'écriture d'une chanson. Puis c'est quelque chose qu'on fait pas non plus, dans le sens où j'ai l'impression que la plupart de mes chansons, le thème s'est forgé avec la pulsion que j'avais. Il y a une espèce de pulsion d'écrire un truc. Puis là, là, qu'est-ce que j'ai écrit? Puis là, je le relis, puis je suis ça parle de ça. Puis là, finalement, je le façonne un peu à l'image de la sculpture. Je pense qu'on commence... Une chanson, ça commence souvent avec un gros bloc, un peu brut. Puis on commence à le façonner, puis... Mais choisir un sujet de chanson... En même temps, ce qui est con, c'est quand on fait le tour du monde, on va écouter toutes les chansons du monde, puis on va finir avec quoi? 3 ou 4 sujets de chanson. Tu sais, une chanson, ça reste quand même souvent l'amour... L'amitié, la joie, la tristesse, le bonheur, il y a quelque chose, c'est la politique. Bon, okay, finalement, j'en ai nommé plusieurs, mais il y a souvent des thèmes forts qui reviennent. Le temps, l'amour. Peux-tu sortir de la roue pour changer d'air quelque part à l'abri de la poussière? Des horaires à genoux, des nuits trop claires, quand le gyrophare valse avec la civière. Veux-tu partir? Yeah.
Marc Saint-Laurent, sonorisateur depuis plus de 25 ans. Je travaille pour Louis-Jean Cormier depuis, quoi, 5 ans. Je suis arrivé dans le décor au moment où sa carrière solo a commencé. Je suis l'éclairagiste de Louis-Jean Cormier. Mon nom est Mathieu Roy. Et puis, je travaille avec Louis-Jean depuis une quinzaine d'années. En fait, 12 ans. Je viens du Québec, de Montréal. Eh bien, c'est ça, je suis concepteur d'éclairage. Non, c'était focusé, là. Mais oui, mais non. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Ce que je préfère de travailler avec Louis-Jean, en fait, c'est la carte blanche sur les projets. Même, c'est déjà arrivé qu'on s'en parle pas du tout avant d'entrer en pré-prod. Donc, j'écoute l'album, puis on se connaît bien depuis les 12 dernières années aussi. Donc, je comprends bien sa vibe. J'ai carte blanche pour créer les trucs. Et puis, ça fait des trucs beaucoup plus éclatés qu'avec d'autres artistes qui sont beaucoup plus pointilleux sur leur conception, sur leur création. J'adore ça, travailler avec Louis-Jean pour ça. C'est un musicien, mais c'est aussi autant un producteur qu'un ingénieur du son. Donc, je réussis à aller beaucoup plus loin avec lui au niveau du son qu'avec un artiste qui peut pas vraiment me dire ses besoins aussi précis que ce que lui le fait. Un talent incroyable, un mélodiste, un guitariste incroyable. Là. Fait que c'est vraiment... Puis c'est quelqu'un qui est capable d'être un gars de gang, qui est vraiment être un bon leader pour que tout le monde se sente bien. Et aussi, il a la particularité d'être quand même capable d'aller chercher le meilleur de chacun. Travaille avec lui. Là. C'est pas mal dans les meilleures raisons pourquoi je travaille avec lui.
se remplir les poches d'argent liquide et qui décroche, qui mène le mal. On se fait mal, ça croit qu'on se sent bien à bout de souffle. Un pied sur le bord du gouffre et l'autre qui devient ce qui sent bien. De par le fait que je sois seul sur scène, je me sens nu. J'ai pas les ex-détenus avec moi, là, les drogués, barbus, là, les yeux rapprochés, la langue épaisse. En tout cas, ces gens-là, pour me revirer vers eux, me disaient « T'as-tu vu la chicks dans la quatrième rangée? » Des trucs comme ça, que ce que vous dites pas vraiment chez vous non plus. Donc, je me sens nu. Il y a un rapport, hein? Il y a une intimité entre toi et moi là, depuis le début. Je sens une vibration, c'est fort. Je me sens nu, mais bien, avec toi. Mets les mots dans l'ordre que tu veux. Là. Je me sens bien nu avec toi, Montpellier, ce soir. Voilà. Comment on dit ça en français, France? Robinet. On dit robinet. Je dis calorifère, c'est un calorifère, c'est un radiateur. C'est pour réchauffer la pièce, là, l'hiver. Calorifère, OK. C'est là que je viens de dire dans une phrase, en se frenchant sous les ponts couverts. Se frencher, c'est se rouler une pelle. Mais une solide pelle. Tu sais, une vraie une pelle ronde. Une pelle mécanique. Une grosse pelle. C'est de la poésie. Le public français, je suis à sa conquête. Je cours après lui, doucement. C'est de la bière. T'as le trou naturel, mon pays, ce soir. Oh, 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 oh. Oh. Il y en a pour qui c'est plus long d'eau. Oh. C'est vrai que je commence à peine à comprendre un peu comment ça fonctionne. Surtout à comprendre comment ça fonctionne à l'extérieur du Québec. Puis d'arriver dans d'autres places, puis faire OK, on devrait jouer comme ça. Puis il y a. Peut-être c'est mon côté un peu joueur, mais comme un gambling autour de ça. Puis j'aime prendre des risques. Et c'est ce que j'ai envie de faire pour l'avenir en France, c'est-à-dire d'essayer d'aligner les planètes. Merci d'être curieux. Curieuse. Je te souhaite de rester curieux le plus longtemps possible et de continuer à écouter de la musique francophone de temps en temps. Merci beaucoup. Tantôt, on a effleuré le sujet en chanson, mais il y a quelques années, il y a eu une espèce de réveil de la population au Québec. Les gens sont sortis dans les rues, armés de casseroles. Les gens ont envahi les boulevards pour se faire entendre, pour parler fort contre un gouvernement corrompu. Ça a incité beaucoup d'artistes à écrire, ça a inspiré beaucoup d'artistes. Et puis, en voici une qui sort du lot, ça s'appelle « La fanfare ». Avoir vu qu'on se faisait avoir, s'il faut.
C'est drôle parce que l'étiquette du chanteur engagé, je pense que c'est y a une palette de couleurs. T'sais, c'est pas que engagé ou pas du tout. Moi, je me situe probablement entre les deux. Même qu'au Québec, je dirais que plus de gens vont me voir quand même dans une démarche d'engagement, autant de façon personnelle, mais publique, qu'à travers mes chansons. Ceci dit, je veux pas que ce soit que ça. C'est pour ça que je dis, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est un peu entre les deux. Et puis, j'aime trop les chansons d'amour, les petites chansons absurdes. J'aime voir le studio comme un endroit complètement universel, où, c'est-à-dire où tu peux aller dans n'importe quelle direction. C'est un laboratoire où tu peux faire ce que tu veux. Faut pas qu'il y ait de carcan dans le studio pour que ce soit ouvert. Ouais, le swing factor, il est pas tout là encore. On porte le chapeau d'arrangeur aussi. T'sais. Comment avoir la musique de façon malléable, la malléabilité de la musique, c'est quelque chose qui me fascine depuis toujours. Moi, c'est comment je peux prendre cette chanson que tout le monde dit « Ah, c'est naze, c'est nul !» puis de faire « Regardez, si on la chante comme ça, wow, c'est beau !» Il y a quelque chose dans l'arrangement qui est une forme d'art en soi. J'étais en train d'écrire le disque Les Grandes Artères quand le père de ma copine de l'époque était malade, était en dépression. Puis je me suis mis dans cette position-là de devoir parler à un ami ou à un parent, surtout à un parent, pour exprimer ce que je ressentais par rapport à ça, puis de dire justement... T'as brûlé la chandelle par les deux bouts, t'as travaillé trop fort, t'es allé à Donf pour faire un peu de verlan. Puis au final, tu te rends compte qu'aujourd'hui, t'es plus bien, t'as besoin d'aide. T'as perdu ton porte-bonheur, c'est l'image du porte-bonheur. Et c'est une chanson que j'ai vraiment eu de la misère à dénouer. C'est une chanson qui était, on dirait, qui bloquait à plein d'endroits musicalement. Mais il y a toujours cette mélodie que... J'aimais ça. Ça, je me disais, faut faire une chanson avec ça. Ça marche trop bien. Puis au final, j'ai demandé à mon ami Martin Léon, auteur-compositeur québécois, qui m'a aidé à dénouer ce truc-là. C'est drôle parce que Martin, il est comme ça. Bon, OK, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il fait, le gars? Le gars, il a perdu son porte-bonheur, puis il fait les 100 pas dans le salon. Puis, j'ai perdu mon porte-bonheur par un mercredi matin, blême. T'avais le regard ailleurs. Ça fait longtemps que t'es plus toi-même. T'sais. Puis il a dit ça comme ça. Puis, oh, parfait! J'avais comme ma ligne pour lancer. Puis là, tout le reste a bien déboulé. Bien.
terre. Ton corps gris sur un fond beige. T'as perdu ton porte-bonheur entre la job et la maison. Et quand t'éteins le moteur, on entend pleurer du salon. T'aurais dû ralentir pour traverser les travaux, pour espérer t'en sortir en un seul morceau. Arrêtez de brûler la chandelle, parler debout et courir comme un fou et sourire en faisant semblant que tout revient. Aujourd'hui, t'as besoin d'aide. Tu regardes se faner les fleurs, les rideaux fermés dans les fenêtres. Mais moi, je serai ton âme sœur, je vais t'aider à sortir de la brume. Comptez les étoiles une par une. Il y a plein de choses qui m'inspirent, tu sais. Mais c'est sûr que dans les dernières années, j'ai eu à travailler sur un projet au Québec qui était un projet ambitieux, qui était de mettre en musique les mots d'un des plus grands poètes québécois qui s'appelle Gaston Miron. Ça s'appelle « Les 12 hommes rapaillés », chant de Gaston Miron, parce que le recueil de poésie, le « masterpiece » entre guillemets de Gaston Miron, c'est « L'homme rapaillé ». Donc, « Les 12 hommes rapaillés », puis moi, j'étais le réalisateur de ces disques-là.
je me suis retrouvé à faire un peu le chapeauter un peu toutes les sphères d'activité de ce projet-là. Donc, finalement, j'étais un peu un genre de directeur artistique. Puis, on a fait 3 albums, dont 2 albums de chansons originales, donc 24 chansons, puis un album symphonique, tout ça. Puis, j'ai traversé les mots de Gaston Miron de cette manière-là en tant que réalisateur. Puis, on dirait que c'est rentré, là. C'est rentré de façon sournoise. T'sais, t'es... À un moment donné, tu travailles sur la musique des chansons, puis les mots de Gaston Miron te roulent dans la tête. Puis... Donc ça, ça m'a nourri vraiment beaucoup. Ça a nourri la plume. T'sais, la plume maladroite et naïve que j'ai. L'apprenti poète que je suis, qui commence à prendre du galon parce qu'au final... Il fait de plus en plus de choses. T'sais, j'ai déjà fait 4 albums avec Carquois, 2 albums avec, en solo, de chansons originales. Donc, je commence à prendre du galon. Mais là, l'idée de flirter avec une plume aussi impressionnante que celle de Gaston Miron, c'est vraiment... ça a été une bonne école. Thank you.
Je suis accompagné ce soir d'un homme qui, des fois, à la sortie des bars, est un peu rond, mais il s'appelle Vincent Carré. Juste pour que vous sachiez, Vincent et moi, hier soir, on a refait le monde à Nantes et tout est réglé, tout est bon. Je commence par me peindre la tête comme un tourne-disque. C'est beaucoup mieux que mon arbitre. Est tellement moins triste. Voyons donc, tu me niaises. Quel bon là. Ah! D'accord, Radio-Canadien. Reviens. Si tu reviens. Montpellier. Pas d'aller. Et puis je me dessine un cœur en calorifère. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je viens de voir? C'est Lancelot là-bas, c'est Perceval? Tout à fait. Non, c'est Mathurin. Ah, c'est Mathurin, t'as vu là-bas? Perceval, Mathurin. Je t'expose ma taille. Moi, c'est sur mon cœur. Si tu reviens. La taille de mes mains, si tu reviens. On se dit au revoir parce que j'ai la ferme intention de revenir. Merci beaucoup.